aujourd'hui, la Terre est cheatée, vous allez voir, ça va être juste incroyable. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et mon travail. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Ok, ok les amis, bah écoutez, aujourd'hui, petit mode des familles, parce qu'aujourd'hui, la Terre est cheatée. Vous allez voir, ça va nous donner, des items, mais juste fumés, mais comme jamais. Donc bah écoutez, allez, let's go, c'est parti, on se fait des petits outils, et on vérifie ça de nous-mêmes. Alors, écoutez, première chose, stat de craft, et on va se faire, bien évidemment, pas cette fois-ci une pioche, mais une pelle. Et voilà, c'est parfait, on a notre pelle, et bah écoutez, allez, let's go, c'est parti, on va tester ça de ce pas. Donc bien évidemment, écoutez, ça ne marche pas sur ces blocs-là, regardez-moi ça, si je casse ce bloc, ça fait rien du tout. Par contre, ça fonctionne sur ce bloc là. Et regardez-moi ça. Oh, c'est quoi cette dinguerie? J'ai 63 blocs de netherite. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Donc ça marche uniquement que sur ces blocs. Et regardez-moi ça, j'ai déjà du diamant. Oh là 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 là, des underperles. Mais oui monsieur. Oui, 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 je dis oui, regardez-moi ça. Oh, oh mon dieu, on a déjà un casque en netherite. Eh ben écoutez, c'est parfait, on va se le coller sur la tête. Allez, hop, voilà, c'est parfait. Et puis, écoutez, je trouve que les underperles, c'est un peu trop cheaté. Donc allez, ciao. Au revoir, mon ami. On va les récupérer nous-mêmes, bien évidemment, les amis. Et là, regardez-moi ça, j'ai déjà, un maximum de diamants. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc de barge? Donc, écoutez, on va les recoller en sous-forme, de blocs, les amis. Et puis, écoutez, nous, on va continuer à creuser. Regardez-moi ça. Oh là, oh là 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 là, on peut avoir le portail. Non, mais c'est incroyable. Ah! On a eu des zen cristal, mais non, c'est pas possible. Oh, oh, des pommes cheat. Oh, que oui, monsieur. On a eu de la poudre de blaze. Non, mais c'est beaucoup trop cheaté, là. Oh, ok, on a eu où en netherite? Eh ben, écoutez, la première chose que j'aimerais avoir, c'est tout simplement, une armure en netherite, les amis. Alors, par contre, je ne sais pas si on peut avoir, des trucs, tout simplement en chante, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir des trucs en chante. Et ça y est, c'est bon, regardez-moi ça. Oh, là. Oh, il nous reste plus que le pantalon. Allez, une petite épée, ça fait plaisir. Encore des blocs de netherite. Et là, qu'est-ce qu'on a exactement? Ah, on a eu le pantalon. Oh mon dieu, regarde-moi ça. Le jeu vient à peine de commencer que je suis déjà full armure netherite. Et puis, bien évidemment, j'ai pratiquement tous les outils en netherite. Non, mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Wouah, c'est quoi ce truc de barge? Oh, encore des pommes cheat. Allez, let's go, c'est parti. On prend ça dans notre main. Et ça y est, c'est bon, notre pelle vient de casser. Mais c'est pas grave, regardez-moi ça. On a récupéré une pelle en netherite. Donc là, ça va aller largement plus vite. Regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là, c'est trop kiffant. Regardez-moi ça, tous les items qui y a par terre. Il y a de l'obsidiane, il y a une hache ici. Ben attendez, je suis passé à côté de la hache, moi. Voilà, c'est parfait, on a eu la hache. C'est nice, et ben écoutez, allez. Hop, ça, on jette, là, on a des pump sheets. Donc même pas besoin d'aller chercher de la nourriture. Oh, et ça nous donne même les yeux d'aide. Non mais c'est pas possible, alors là par contre, c'est juste beaucoup trop cheaté cette terre. Donc écoutez, on va juste, ne pas récupérer les poudres et de blaze et aussi surtout les underperles. Sinon il n'y aurait plus aucun intérêt, hein. Clairement la vidéo durerait 2 secondes. Alors écoutez, on va faire un petit tri. Regardez-moi ça, allez, c'est chaos tout ça. On en a plus besoin, même le diamant. Oh là là, ça me fait mal au cœur de jeter tout ça. L'obsidiane aussi, les underperles aussi. On va garder quand même sous le coude quelques petits totems, bien évidemment. Et pourquoi pas, le portail, on va le garder. Vous savez quoi, comme ça, ça va pas nous obliger à aller chercher le stronghold, parce que sinon ça va nous prendre une éternité, et ça, ça peut être quand même plutôt cool. Et puis écoutez, là je pense qu'on est pas trop mal. Donc écoutez, on va continuer, on va réessayer de récupérer des bouts de portail. Et ça y est, c'est bon, regardez-moi ça, petite pioche. Mais oui, je dis oui les amis. Et ça y est, c'est bon, on a tous les items. Et ça y est, encore des bouts de portail, ça, ça fait plaisir. On en a combien du coup? On en a 11. Ok, il nous en manque plus qu'un à avoir. Et ça y est, c'est bon, je crois qu'on les a eu. Oui, ça y est, c'est bon monsieur, on les a eu. Et c'est parfait. Allez, let's go, c'est parti. On remonte, et bien évidemment, hein, comme je vous ai dit au début, ces blocs-là ne fonctionnent pas parce que, il y a de la verdure dessus, et c'est vraiment juste que la terre classique. Qu'est-ce qu'elle veut, cette abeille? Tu me regardes mal ou quoi? Eh oh, qu'est-ce que tu me veux, toi? Boum! Allez, pas me regarder du coin d'œil. Alors, écoutez, tout ça, on va jeter, bien évidemment. Regardez-moi ça, toutes les ou que j'ai eu. Non, mais c'est pas possible. Je les ai eu en 4, 5, 6, 10 fois. Non, mais c'est n'importe quoi. Ok, ça y est, c'est bon. On vient de jeter tout ce qui nous intéressait pas. C'est super. Écoutez, les amis, l'aventure commence déjà comme
même plutôt pas mal. Et aujourd'hui, on a du boulot sur la planche parce qu'il y a deux choses, deux objectifs à atteindre. C'est de tuer l'Under Dragon et aussi, pourquoi pas, de tuer eh ben, le Warden, les amis. On va tester tout simplement de tuer le Warden. Oui, oui, vous avez bien entendu. Parce que là, la Terre est tellement cheat que, bah écoutez, je pense qu'on a les moyens de tuer le Warden. Oh là là, regarde-moi ça, il y a de la lave juste ici. Oh, c'est magnifique. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Allez, hop, c'est parti. Bon, là, je vais avoir plein d'items, malheureusement. C'est pas grave. Et bien évidemment, regarde-moi ça, je vous le prouve quand même, ça ne fonctionne pas sur la pierre. Regardez-moi ça, j'ai beau la casser, ça me donne que de la pierre. Alors, on va descendre un petit peu, on va essayer, voilà, de trouver du charbon, on va essayer aussi de trouver du fer, parce que très étrangement, en cassant la terre, ça nous a donné, eh ben, zéro de fer, zéro bloc, rien du tout. Bah écoutez, je suppose que ça doit être, eh ben, voulu, clairement. Et maintenant qu'on a récupéré notre charbon, allez, let's go, c'est parti, on continue à creuser, et on va chercher du fer, comme ça, eh ben, tout simplement, on pourra se faire un petit saut, et puis, on pourra tout simplement inonder le lac de lave qui est juste à côté de nous, les amis. Et on pourra tout simplement récupérer l'obsidienne. Ok, bon là, ça fait un petit moment que je suis en train de creuser. Et là, je pense que le jeu se fout de moi, clairement. Parce que là, ça fait, eh ben, très très longtemps et j'ai pas trouvé un seul bloc de fer. Non mais c'est quoi ce jeu? De toute façon, c'est toujours comme ça sur Minecraft. Quand tu cherches quelque chose, tu ne le trouves pas. Mais par contre, quand tu ne le cherches plus, eh ben, tu le trouves directement. Regardez-moi ça, ça me donne que du Cooper. Mais c'est quoi ce truc? Oh, ça y est, on vient de trouver une grotte. Et ça y est, c'est bon, regardez-moi ça, on est dans les grottes. Et là, maintenant, on a, eh ben, des petits mobs hostiles. Mais là, c'est parfait, regardez-moi ça, on vient de trouver, eh ben, du fer. Encore merci le jeu. Ça y est, c'est bon, c'est fait, on l'a trouvé. Aïe! Ah! Mais elle a pas compris que j'étais invincible, frérot. Je suis en netherite. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a même pas enlevé un point de vie, quoi. Toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Boum! Et voilà, t'es morte. Alors, ce qui serait bien aussi, et j'ai remarqué ça, avec la terre, ça nous a pas donné, eh ben, un seul... une seule flèche. Ça serait bien de tuer un tout petit peu de squelette pour essayer, eh ben, de récupérer tout ça. Ça serait quand même plutôt pas mal. Donc c'est pour ça, les amis, que, eh ben, tout simplement, on va s'enfoncer un petit peu dans les grottes. On va tuer quelques petits mobs. Et comme ça... Waouh! Waouh, 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 waouh. Mais alors là... Ah! Faut se calmer. Ah! Le premier a explosé. Ah! Le deuxième va exploser. Non, ça y est, c'est bon. Et voilà, ça y est, c'est bon. T'as réglé ton compte, mon pote. Alors, eh ben, écoutez, on va poser tout ça. On va se faire un joli petit four. Et maintenant que le four est fait, on va mettre à chauffer notre fer. Et moi, en attendant, ce que j'aimerais bien faire, tout simplement, c'est de refaire un petit tri. Parce que regardez-moi ça, c'est épouvantable comment, eh ben, ça va tellement vite d'avoir des trucs dans notre inventaire. Donc, bah écoutez, hop, tout ça, c'est à la poubelle. C'est finito, pipo. Alors, c'est parfait, on a récupéré 3 de fer. Hop, petit seau d'eau. Et là, c'est parfait. Regardez-moi ça, il y a une source juste derrière nous. Ça, c'est top. Et bah écoutez, bah c'est bon, hein, il n'y a plus besoin de faire chauffer le fer. On a déjà tout de toute façon. Là, on récupère tout ça, les amis. Et là, maintenant, on va descendre un petit peu plus profondément pour aller chercher, eh ben, quelques mobs. Pour avoir quelques petites flèches, ça serait quand même plutôt pas mal. Oh là là, regardez-moi ça, du diamant. Magnifique, magnifique. Est-ce que ça va me servir? Eh ben non, pas du tout. Mais c'est toujours plaisant de quand même le récupérer soi-même. Oh là là, et ben ça y est, regardez-moi ça, on a trouvé une super grotte, les amis. J'espère qu'il y a énormément de mobs à l'intérieur. Donc là, hop, on va juste se casser 2-3 blocs pour pas se casser la tête. Et puis, oh là là, il y a même de la lave. Oh, mais c'est perfecto. Bon, par contre, je me sens... Ah si, ça y est. Ok, c'est le temps que ça spawn. Des fois, ça peut bugger un petit peu. Et bah ça y est, c'est bon, regarde-moi ça. Allez, tu m'as loupé. Et bah moi, je vais pas te louper, frérot. Voilà, c'est parfait. Encore des petites flèches. Oh, ça m'a l'air d'être une super grotte aussi, là. Oh, what? Wow, le lac de lave. Non, mais il est immense. Wow, c'est impressionnant. Alors, hop, petit diamant. Voilà, c'est parfait. On l'a récupéré et je vais me brûler. Et bah voilà, c'est parfait. Super Néoflix, superbe idée, clairement. Bon bah écoutez, on est plus à ça près. Voilà, on va passer comme ça. Et puis là, oh là là, oh là 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 là, regardez-moi ça, il y a mes poteaux là-bas. Et là, d'ailleurs, il y a énormément de squelettes. Non mais c'est incroyable. Oh bah c'est parfait. Allez, boum, déjà des flèches. Là, boum, 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 des flèches. Non mais je vois que dalle avec le feu sur mon écran. Ok, encore des flèches, c'est parfait. Hop, on va éviter les araignées. Allez, viens par ici, boum. Et toi, viens par ici, boum, boum, et boum. Et voilà, c'est parfait, encore des flèches. Et puis bah écoutez, maintenant on peut se casser d'ici, clairement. Il y en a encore ici, allez, viens par ici, boum. Voilà, que des nonos, c'est parfait. Toi, hop, tu m'as rien donné, c'est super. Et là, il y en a deux, oh là là, parfait. Allez, hop, un premier avec des flèches et le deuxième avec des nonos. Merci le jeu. Eh ben écoutez, vous savez quoi? On va s'attaquer à nos poteaux. Allez, viens par ici, toi. Boum, boum et boum. Oh le saligo, il m'a rien donné. Il devrait avoir honte de m'avoir rien donné. Non mais c'est pas possible. Et tous les autres, ils ont despawn. Normal quoi, vous me direz. Hop, petite flèche, encore petite flèche. Et puis bah écoutez, bah c'est parfait. Et bah vous savez quoi, là il y a juste beaucoup trop de mobs. On a 31 de flèches, ça devrait suffire d'ailleurs les amis. Quoi que vous me direz, on va quand même aller tuer le Warden.
à un moment donné, bah écoutez, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc là, hop, on en a récupéré encore un tout petit peu plus. Et puis bah écoutez, allez, let's go, c'est parti. On retourne au bercail, on va juste remonter à la surface. Même si là, vous allez me dire, mais il y a plein de nappes juste ici, pourquoi tu la prends pas, mais t'es bête, mais nanana. Et bah je m'en fiche, je fais ce que je veux. Il y avait un lac de lave juste en haut, à la surface. Et je préfère me faire mon portail à la surface. Ok, ça y est, c'est bon, on est à la surface les amis. Hop là, voilà, c'est parfait. Et là maintenant, on va inonder ça. Et là maintenant, on va se laisser une petite source d'eau juste ici. Voilà, c'est parfait. Et là maintenant, on va récupérer l'obsidienne. Et ça y est, c'est bon, c'est parfait. Premier bloc. Et bah écoutez, vous savez quoi? Il en reste plus que 15. Ok, ça y est, c'est bon. On a récupéré tout l'obsidienne qu'on voulait. Donc bah écoutez, on va se trouver un endroit assez sympathique. Genre comme par exemple là, c'est parfait. Et puis bah allez, let's go, c'est parti. On se fait le portail. Et voilà, c'est parfait. Le portail est fait. Et bah écoutez, allumage et on passe directement. Ok, ok. Et bah c'est parfait. Regarde-moi ça. On est du coup dans le Nether. Et puis bah écoutez, c'est par où la sortie? On va dire que c'est par là. Oui, c'est ça. C'est par ici, c'est parfait. Et toi, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu me veux? Tu m'as raccouru après. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu me veux? T'as pas compris? Je suis en armure. Aïe, mais même le petit, il attaque. Non, mais il est féroce. Ouais, va retrouver ta maman. Allez, vas-y, cours, cours, cours. Je te laisse une petite distance d'avance. Il est trop mignon, regarde ça. Alors, mon pote. Et voilà, ça y est, c'est réglé. Et toi aussi, boum. Boum, et c'est réglé. On sait pas tout, maintenant qu'on est dans les heures, et bah écoutez, la première chose que je devrais, et bah chercher, c'est tout simplement une forteresse ou une forêt bleue. Donc bah allez, let's go, c'est parti, c'est ce qu'on va faire de ce pas. Ok, ok, les amis, là, ça fait un petit moment que je suis en train de marcher, et puis bah écoutez, toujours pas trouvé, et bah, ah si! Regardez-moi ça, ça y est, c'est bon! Oh là 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 là, magnifique. Magnifique, on vient de trouver la forêt bleue, et bah allez, boum! Allez, viens par ici, boum, boum, et voilà, ça y est, c'est bon, première underpearl, et je peux même pas la récupérer, j'ai trop de trucs dans mon inventaire, comme d'habitude. Allez, viens par ici, toi aussi, boum, 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 oh, il m'a rien donné. Eh ben, écoutez, c'est pas grave, on va s'attaquer à celui-là, allez, viens, boum, boum, et t'es mort, et voilà, deuxième underpearl, toi, viens par ici, boum, boum, et voilà, parfait, troisième underpearl, c'est parfait, les amis, allez, boum, boum. Et voilà, c'est parfait. Quatrième et cinquième underpearl. Oh là là, incroyable. On en a combien? 5. Et bah, c'est parfait. Et voilà, sixième ou septième, je sais plus. Sixième underpearl. Et voilà, c'est parfait. Quatorzième underpearl. On y est presque, les amis. Oh là là, la quinzième. Et attendez, attendez, je peux pas la récupérer tout de suite. Oh là, c'est parfait. Ça y est, c'est bon. Il nous en manque vraiment plus qu'une, les amis. Et bah, écoutez, allez, on va aller la chercher de ce pas. Et regarde-moi ça. Il y a un underman juste là. Allez, s'il te plaît, frérot, donne-la-moi. Boum! Boum! Oh bah, il y en a deux qui m'attaquent. Non, le premier rien du tout et le deuxième si par contre. Oh là là, ça y est, c'est bon les amis. Enfin, ça nous a pris un temps mais fou, mais comme jamais. Ça y est, c'est bon, on en a 16. Et puis bah écoutez, là maintenant il reste plus qu'à trouver une forteresse. Et comme d'habitude les amis, comme je dis dans chaque de mes vidéos, clairement, pour que ça s'imprègne dans vos cerveaux, clairement. Et bah écoutez, à chaque fois qu'il y a une forêt bleue ou inversement une forteresse, il y a soit une forêt bleue ou soit une forteresse à côté. Je sais pas si je me suis fait comprendre sur ce que je viens de dire, mais bon, moi je me suis compris moi-même. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va chercher aux alentours de la forêt bleue pour aller chercher une forteresse. Oh mon dieu, mais regardez-moi ça. Non mais je kiffe quand j'ai raison, clairement. Regardez-moi ça, petite forteresse avec un mode... Non, même pas, c'est même pas un mode spawner, c'est juste un blaze comme ça, tout seul. Eh bien écoute frérot, je vais te détruire la figure, voilà. Et il m'a rien donné, le petit saligo. Eh ben c'est pas grave, il a un poteau juste ici. Allez, viens par ici, boum, boum. Et il m'a rien donné aussi, non mais c'est pas possible. Réveillez-vous les blazes. Oh non, de Dieu, il y en a un autre là. Allez, viens par ici, boum. Oh oui, premier bâton, parfait. Eh ben écoutez, hop, ça se récupère ça. Et bah écoutez, il nous en manque, et bah plus que 7 à avoir. Donc bah écoutez, on va aller chercher un mode spawner. Et puis bah écoutez, regarde, ça c'est parfait. Ça c'est un mode spawner. Et bah allez, boum, boum, boum. Allez, deuxième bâton. Et troisième bâton. Oh là là, magnifique. En attendant qu'il respawn, moi je vais faire un petit tri parce que là c'est le bordel. Et allez, c'est parti, on y retourne. Boum. Toi, viens par ici. Voilà, il est mort lui aussi. Et toi aussi, viens par ici. Et voilà. Et bah c'est parfait, regarde, ça 5 bâtons. C'est nice. Et ça directement respawn. Allez, boum. Et toi, viens par ici, boum aussi. Et ben voilà, encore des bâtons. Oh là là, 7. Il nous en manque vraiment plus qu'un à avoir. Et là, ça va être, eh ben, super pour nous. Oh, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Allez, viens par ici, boum, boum. Et voilà, des flèches en plus. Pour voir le côté pratique des fois. Puis c'est quoi? Attendez, attendez, mais j'entends un bruit, mais genre de fou. Oh! Oh mon dieu! Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mais c'est ça le bruit que j'entendais! Mais regardez-moi ça, il y a un autre mode spawner. Oh là là, mais c'est parfait. Allez, boum. Oh là là, ils sont tellement. Boum, boum. Oh oui, si tu me dis que là, j'ai pas eu un seul bâton. Ah bah si, ça y est, c'est bon. On a confirmé nos bâtons. Et là, on en a combien? 9. Oh bah c'est incroyable. Et regardez-moi ça, là, ici aussi.
Non mais c'est incroyable qu'il y ait deux mode spawners comme ça collés, hein. Bon allez, on les tue juste pour le plaisir, ceux-là, et voilà, c'est parfait. Oh non, c'est bon, ouais, oh, oh, vous allez spawn à l'infini. C'est bon, moi j'ai d'autres chats à fouetter. Eh ben écoutez, vous savez quoi les amis, on va tout simplement retourner dans l'Overworld et on va directement aller tuer l'Under Dragon. En plus de ça, ça va être super simple parce qu'on a déjà le portail sur nous. Donc allez hop hop hop, let's go, c'est parti, on se retrouve dans l'Overworld. Et ça y est, c'est bon, on est de retour dans l'Overworld les amis. Eh ben écoutez, non loin du portail, on va faire l'autre portail. Comme par exemple, ici, allez hop. Puis écoutez, il reste plus qu'à faire la poudre, voilà, les yeux tente, voilà, c'est parfait. Et allez hop, c'est parti. On met tout. Et voilà, c'est parfait. Bah écoutez, regardez-moi ça. Joli petit portail allumé. Et bah allez, hop, on saute. Ok, ça y est, c'est bon. On est dans l'aide, les amis. Et bah écoutez, on va essayer de valider notre premier objectif, c'est-à-dire de déglinguer la figure à l'Under Dragon. Ok, ça y est, c'est bon. On est sur le terre-terre de l'Under Dragon. Et bah écoutez, on va shot tous les Zen Crystal comme ça là. Ah, bah le premier s'est raté. Super Neoflix. Ok, ça y est, c'est bon, c'est détruit. On va faire les plus simples en premier. Comme par exemple celui-là, je crois qu'il est assez simple quand même. What? J'ai pas réussi. Ok, si, c'est bon. Il est détruit. Là, hop, c'est assez simple. C'est détruit. Là aussi, c'est détruit. Là, ça va être simple aussi. C'est détruit. Là, c'est... What? C'est pas détruit. Oh, je suis bégleux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon, c'est détruit. Il y a là aussi. Alors, hop, là comme ça. Oh là 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 là. Mais un franc-tireur, les amis. Je suis un sniper. On va détruire ce rancage. Voilà, le premier est détruit. On va faire le deuxième. Voilà, c'est détruit. Et puis je crois qu'il reste plus qu'à un seul endroit. Je vais quand même vérifier. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est parfait. Eh ben écoutez, je crois que c'est détruit. Eh ben ça y est, c'est bon. On a détruit tous les Z-Crystals, les amis. Regardez-moi ça, c'est parfait. Il est en train de se poser le bougre. Donc, allez, c'est parti, on va en dessous. Allez, monte ta tête. Voilà, c'est parfait. Et allez, boum, boum. Oh là 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 là, comment je le tabasse. Oh là 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 là, magnifique. Oh là là, le bougre, il m'a pas prévenu, mais il s'est posé tout seul. Allez, viens par ici. Boum, boum, boum. Oh là là. Oh, what? Oh, comment il m'a balancé. Oh, alors toi, tu vas prendre cher. Boum. What? Non, mais c'est quoi cette dinguerie? Oh, il a failli me tuer. Oh là là, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi chaud. Alors, attends, attends, attends. Toi, viens par ici. Tu vas prendre ta rive, frérot. Oh là 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 là. Mais on n'en manque pas une seule, les amis. Regarde-moi ça. Et puis, il est déjà en train de venir pour se poser. Eh ben, écoute, viens, frérot, si t'as envie de mourir. Ok, ça y est. Boum. 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 Oh là là. Oh là là, mais c'est magique. Il est pratiquement mort. Regardez-moi ça, je crois qu'on va même le tuer à l'arc. Et franchement, depuis tout à l'heure, on en rate vraiment pas une. Et attention, vous êtes prêts? Attention, la dernière. Et boum. Quoi? Attends, 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 mais tu vas mourir comme ça, hein, frérot, hein. Non, 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 non. Oh, regardez-moi ça, il fait du breakdance, l'Under Dragon. C'est quoi ce truc de barge? Je suis mort de rire. Il est mort dans une position tellement bizarre. Eh ben écoutez, eh ben c'est parfait. Est-ce que la terre suffisait pour tuer l'Under Dragon? Eh ben oui les amis, ça fait ultra plaisir. Donc premier objectif validé. Eh ben écoutez, on va chercher notre deuxième objectif. Let's go. Ok. Eh ben écoutez, eh ben c'est parfait. Donc je suis ultra content d'avoir tué l'Under Dragon. Maintenant on va monter la barre un petit peu plus haute, c'est-à-dire avec le Warden. Et puis écoutez, le moyen le plus simple de trouver le Warden, eh ben c'est d'aller dans les grottes et d'aller tout simplement explorer les grottes jusqu'à temps de trouver l'ancienne cité. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire de ce pas. Oh, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal là, l'entrée de cette grotte. Regardez-moi ça, en plus de ça, un petit mineshaft, c'est parfait. Et puis vous savez quoi les amis, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez déjà de 1, de la terre. Et deuxièmement, est-ce que tout simplement je vais réussir à tuer le Warden avec le stuff que j'ai là pour l'instant. Ça m'intéresserait franchement de savoir qui est pour moi et qui n'est pas pour moi. Voilà, clairement. Et puis écoutez, vous savez très bien que à chaque fois je lâche un petit cœur et un petit like sur tout simplement vos commentaires. Et écoutez, là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de se balader dans les grottes pour trouver l'ancienne cité. Bon, après, vous me direz que ça peut prendre énormément de temps, mais je vous avoue, à chaque fois que j'ai trouvé l'ancienne cité, c'est souvent avec de la chance et rien de plus. D'ailleurs, c'est un cul-de-sac ici. Et puis là, oh non, on est en train de remonter. Bon, écoutez, on va redescendre. On va essayer de passer par le mineshaft. Alors, est-ce que ça marche par le mineshaft? Je ne sais pas. Attendez, attends, c'est quoi ce beans? Ah, c'est juste de la lave que j'entendais. Ok, super. Ok, on s'est enflammé un petit peu, c'est pas grave. Non mais le mineshaft il va s'arrêter à un moment donné ou quoi? Genre ça s'arrête pas. Oh oh, oh, regardez-moi ça ce que je viens de trouver. Oh mon dieu. Alors là ça veut dire qu'on est sur la bonne voie les amis. Regardez-moi ça. Oh oh, il y a une petite entrée par ici. Oh là là. Oh là 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 là. C'est magnifique, on vient de trouver. Non mais c'est... Non mais je vous jure
que c'est vraiment par inadvertance que je l'ai trouvé. Non mais c'est incroyable. Oh bah alors là pour le coup j'ai ultra de la chance. Regarde ça, il y en a de partout. Oh là là, il commence à faire tout noir. Bon, ce qui serait bien c'est par contre trouver l'ancienne cité, comme ça on aura plus de place et pour tourner et pour lui popoter les fesses. Et ça descend par ici. Non mais incroyable. Et bah écoutez, vous savez quoi, on va creuser par ici, on va voir si l'ancienne cité est pas en dessous, parce que je crois que c'est bien plus bas que le niveau 0. Oui, et d'ailleurs on est juste niveau 0. Donc on va creuser. Oh là là, regardez-moi ça, ce qu'on vient de trouver. Oui, on a trouvé l'ancienne cité, les amis. Oh là là, magnifique. Eh bien écoutez, reste plus qu'à trouver un moyen de descendre. Eh mais je suis bête. Mais attendez, mais je suis archi bête. J'ai une source d'eau et j'utilise pas ce que j'ai. Voilà, ça y est, c'est bon. Regardez-moi ça, ça y est, c'est bon, on vient de trouver l'ancienne cité. Oh, incroyable. Ok, ça y est, c'est bon, on est sur le terre-terre du Warden, là, cette fois-ci, les amis. Et puis, bah écoutez, là, maintenant, on va juste attendre à ce qu'il spawn. Et puis on va bien voir qui va gagner. Allez, viens, Frérito de la Casito. Ah, ça y est, c'est bon, il est en train de sortir, les amis. Je sais pas par où il sort. J'en ai aucune idée. Attendez, que c'est là? Ah oui, c'est là, il est là, boum, boum, boum. Wow, j'avais oublié comment il faisait mal. Oh, c'est vénère. Oh, c'est vénère. Ah, je retire ce que j'ai dit, je vais peut-être perdre. Oh mon dieu. Oh, il est violent, Oh, le sagouin. Oh, regardez-moi ça, ma vie. Wouah. Non, mais t'es trop fort. Arrête. Laisse-moi en vie. J'aurais pu assez de pommes. Meurs. Wouah. Oh, mon Dieu, il a détruit un de mes totems. Faut que je régène. Vite. Je vois plus rien. Je ne vois plus rien de ce qui se passe. Vite, il faut que je mette un totem dans ma main. Ah. Je vais mourir. Non. Mon deuxième totem. Ah, il vient de mourir. Wouah, eh ben écoutez les amis, je suis choqué de la puissance du Warden. Je m'en rappelais mais tellement pas qu'il était aussi puissant. Non mais c'est incroyable, il tape à une vitesse, il te déglingue la figure. Et pourtant, regardez-moi ça les amis, je suis full Netherite. Alors bien évidemment, pas enchante, c'est vrai, mais quand même, ça aurait dû le faire. Ouais, bah écoutez, est-ce qu'on va réitérer à aller chercher le Warden et tout, sachant que ça m'a pris quand même pas mal de temps pour aller trouver l'ancienne cité, même si c'était à côté d'ici. Je ne pense pas, le constat sera le même. Et puis bah écoutez, pour tous ceux qui auront mis du coup en commentaire, je ne crois pas en toi. vous avez eu raison. Clairement, vous avez eu raison. écoutez, vous savez quoi, les amis? On va tout simplement s'arrêter ici. Donc, j'espère que cette vidéo sur la Terre cheatée vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 200 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et mon travail. Et n'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et si tout ça est déjà fait, les amis, écoutez, vous êtes les boss de chez Boss. Et moi, sinon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Bye bye!